Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau concept, je suis en short et alors tu vas faire quoi? Ok, alors je m'installe confortablement pour vous raconter mon tout premier thread d'horreur, ou histoire d'horreur si tu veux. Qui dit histoire d'horreur dit ambiance, et je vais l'installer, t'inquiète. Hop! Ouais, ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups, ok. Voilà. Là, c'est bien. Alors, vous êtes prêts? Alors, pour vous raconter l'histoire, on va choisir un prénom au hasard pour favoriser l'anonymat de la personne. Ouais, celui-là, par exemple. Steven. Ouais, le gars s'appelle Steven, et alors? Steven vit au centre d'une grande ville en Amérique. Il sort souvent la nuit, ce qui fait bien chier son colocataire qui, lui, ne sort que la journée. Pour passer son temps, Steven adore faire des promenades nocturnes, ce qui lui permet de penser et de réfléchir au sens de sa vie. Ouais, c'est chelou. Qui fait ça, vraiment? En pleine nuit, aller promener juste pour réfléchir? Et en plus de ça, ça fait des années qu'il fait ça. Ce jour-là, il est mercredi. Entre 1h et 2h du mat. Steven est en train de marcher près d'un parc, qui est assez loin de son appart. C'était une nuit assez calme, il y avait peu de trafic et vraiment pas beaucoup de personnes à pied. Le parc, lui, comme c'est souvent le cas, était complètement vide. Steven, lui, tourne dans une rue latérale en direction de son appartement. Et là, il voit quelque chose tout au bout de la rue. Une silhouette d'un homme. Un homme en train de danser. C'était une danse très étrange. Ça semblait être une espèce de valse. Une valse dont chaque mouvement de danse terminait par un pas en avant. Et il se dirigeait droit vers lui. Pensant qu'il était juste complètement ivre, Steven se serre le plus possible de la route pour le laisser passer. À mesure que cet homme se rapprochait de Steven, il réalisait à quel point ses gestes étaient gracieux. Cet homme était grand et il paraissait disloqué. Continuait d'avancer en dansant jusqu'à ce que Steven puisse voir son visage. Les yeux de l'homme étaient grands ouverts et sa tête était légèrement penchée en arrière, regardant le ciel. Sa bouche ressemblait bizarrement à un sourire de personnage de cartoon. Entre les grands yeux ouverts fixant le ciel et le sourire béat, Steven décide de traverser la rue pour ne pas se croiser. Il décide donc de détacher son regard du type afin de traverser la rue vide. Une fois de l'autre côté de la rue, Steven jette un regard sur l'homme. Il a arrêté de danser. Et il est sur un pied en parfait équilibre. Alors, le gars est hyper chelou, ivre et extrêmement doué. L'homme fait face à Steven. Toujours le regard fixé vers le ciel avec l'énorme sourire. Il décide donc de continuer son chemin tout en gardant ses yeux fixés sur l'homme. L'homme n'a pas bougé d'un poil. Steven détourne son regard pour regarder le trottoir d'en face. La rue est complètement vide. Toujours énervé, Steven regarde à nouveau derrière lui. Et l'homme a disparu. Steven est soulagé, jusqu'à ce qu'il remarque que l'homme a traversé la rue et qu'il se trouve à quelques mètres de lui. Il semblait accroupi, mais Steven n'est pas certain, car il y avait beaucoup d'ombre et il faisait noir. Mais il était sûr d'une chose, c'est qu'il lui faisait face. Il n'a pas détourné ses yeux plus de 10 secondes, ça veut dire que l'homme s'est déplacé extrêmement rapidement. Steven est tellement choqué qu'il reste là, immobile, le fixant, en le dévisageant. Il était pétrifié. L'homme, lui, à son tour, reprend sa marche et continue à avancer vers Steven. L'homme avance comme un géant, avec des grands pas exagérés, comme les personnages de cartoon. Un personnage de cartoon qui avance très vite, mais vraiment très vite. Steven se dit qu'il devrait peut-être penser à courir, à sortir son gaz au poivre, sortir son portable, appeler quelqu'un. Mais non. Steven reste là, immobile, congelé, comme l'homme qui arrive vers lui. L'homme en face de lui ne réagit pas, toujours avec son grand sourire, et puis,
Après ce qui semble être une éternité, l'homme se retourne, reprend sa danse et part dans l'autre sens. Steven n'a pas su lui retourner le dos. Il le regarde juste s'en aller, sans dire un seul mot, pétrifié. Complètement pétrifié, Steven. Fin d'effort, mec. Il le regarda s'en aller jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Il réalise une chose. L'homme s'est arrêté. Il ne s'éloigne plus. Soudain, l'ombre s'est mise à grandir. À grandir très vite. L'homme est en train de courir vers Steven. Steven, lui, comme tout être humain, commence à cavaler aussi, mais dans le sens contraire. Il trace sa mère. Steven a couru ses grands morts jusqu'à une route plus éclairée, avec plus de trafic. Et là, il regarde derrière lui. Et l'homme a disparu. Oh non, il fait chier, mec. Le mec fait chier à jouer cache-cache comme ça. Sur le chemin du retour vers son appartement, Steven lançait sans cesse derrière lui, en pensant à revoir son sourire stupide. Mais il n'était plus là. Steven a encore habité dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit. Et depuis ce jour, Steven ne sort plus jamais la nuit pour faire ses promenades nocturnes. Mais il y avait quelque chose qui l'avait vraiment effrayé cette nuit-là. À propos de son visage. Quelque chose qui le hante depuis maintenant 6 mois. L'homme en question n'avait pas l'air ivre. Il avait l'air juste complètement fou. Et c'est ce qu'il y avait de plus effrayant chez cet homme.